Salut à tous, de retour à Shadowbrook pour le cinquième tour de notre partie de Touch of Evil contre le loup-garou. Pour l'instant, on tourne un peu en rond, c'est le moins qu'on puisse dire. Le loup-garou intervient en toute impunité, il a massacré la moitié des elders du village, que ce soit au moyen de ses minions ou lui-même. Il laisse un paquet de traces sans qu'on puisse exploiter quoi que ce soit, et en plus on patauge, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à conserver nos jetons d'investigation, tant nous sommes troublés par cette multitude de pistes. Donc c'est un petit peu compliqué, et pour couronner le tout, le docteur, notre soutien, a été mis KO par un Ferolkin en centre-ville. Je pense que là, la prochaine étape est nécessairement, si notre mouvement le permet, d'aller nettoyer le centre-ville. Le jeton premier joueur passe à Adriana. Adriana qui est au manoir et qui a été soignée par le docteur Edwards juste avant qu'il soit mis à terre par un spectre, il me semble. Donc on va lancer son dé de mouvement pour voir où peut se rendre Adriana. Elle a toujours son cocher avec elle. Alors, mystère. Voilà. Donc elle obtient un 5 en déplacement. Ça va lui suffire pour regagner le centre-ville. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc elle retourne directement au centre-ville, ce qui déclenche un combat avec le Ferolkin présent. Alors Adriana est bien meilleure combattante que le docteur, heureusement. Et donc elle a 3 dés de combat plus 1 dé. Puisqu'elle possède un pistolet. Donc c'est 4 dés de combat qui vont lui permettre de lutter contre cet émissaire du loup-garou. Le loup-garou, enfin le Ferolkin a 3 dés, mais il touche sur un 4, 5, 6. Par contre, Adriana va attaquer avant le Ferolkin qui n'a pas le bestial speed, contrairement au loup-garou. En premier, elle lui fait 2 dégâts, et je crois que ça suffit. Ouais, si alors Ferolkin, ouais, il a une, il résiste à une blessure et rapporte 3 dégâts. Bah, c'est très bien ça. Voilà. Donc, eh bien, elle lui rapporte. Donc, ce combat lui rapporte 3 investigations. C'est très bien. Ah, par contre, ce que j'ai oublié, je vais modifier tout de suite, c'est que comme le révérend Harding a été tué, le Shadow Track progresse de 2 crans vers l'avant. Oubliez ce détail. Donc revenons à ce combat express. Adriana est bien énervée. Elle a éliminé cette créature du centre-ville et c'est tant mieux. Elle a pris 3 jetons d'investigation, donc elle en a 5. Voilà. Donc elle a fait ça après son déplacement. Puisqu'elle est en centre-ville, elle peut piocher 2 cartes event. Choisir celle qui l'arrange, Battle Fury ou Duck and Roll. Ouh, c'est bien ça. Battle Fury permet de relancer n'importe quel nombre de dés de combat qui vient juste d'être relancé. Là, par contre, ça permet de prévenir jusqu'à 2 blessures. On va utiliser le Duck and Roll plutôt, parce que dans la mesure où le docteur est souvent mis à terre, il nous faut un moyen de nous soigner. C'est un peu à regret, hein. J'aurais bien aimé garder le Battle Fury. Par contre, je dois également lancer un D6 puisque nous sommes au Town Hall et sur un 1 ou un 2, on doit piocher 2 cartes mystère. Non, une carte mystère, pardon. Alors attention, c'est bon, on ne pioche rien du tout. Donc ça, c'était pour le tour d'Adriana. Elle a toujours 5, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Non, elle n'est pas blessée. Non, non, ben voilà. Donc son tour prend fin comme ça.
Le tour du docteur, il est réglé, puisque celui-ci est KO et se redressera la phase mystère. Donc on passe à Argo. Argo qui est dépourvu de toute richesse, donc qui a pour l'instant comme seul objectif de se déplacer. Il obtient 5 également. Ah oui, j'ai oublié de déplacer le coachman aussi avec Adriana. Argo, donc, eh bien, il va se diriger avec un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, c'est pas intéressant. Il va aller au manoir. 1, 2, 3, 4. Il peut, sans problème. Donc, il se dirige au manoir pour rencontrer le lion. Alors, il organise des rondes avec le couple Unbrook. Avec les récentes morts mystérieuses, Lord Unbrook a instauré des tours de ronde la nuit pour garder le château. C'est une bonne opportunité pour investiguer autour de ce, dans les environs. Donc pour ça, on se joint aux patrouilles. Donc on fait un test d'honneur 3+. Alors, en honneur, c'est pas là où il est le meilleur. Donc lui, il a 2 Argo. Et chaque 3+ lui permet de remporter un point d'investigation. Donc là, c'est un jeton uniquement. Donc, les preuves ne sont pas tellement concentrées autour du manoir. Mais bon, il fallait rendre service au Unbrook. Ce qui s'entend. Ça rassure tout le monde que Argo patrouille. Voilà, ça met fin au tour des héros. On est déjà à une nouvelle phase mystère. Alors autant vous dire que bah, je crains le pire. Alors, avant tout, dans les phases mystères, donc au début d'une phase mystère, donc pour le moment il n'y a pas d'effet. Donc on va pouvoir redresser le docteur Manning. Voilà. Et faire le jet sur la coopérative charte. Bien sûr, on obtient 5, décidément, c'est 5 ou 6 depuis le début. C'est un Darkness Falls. Donc là, le Shadow Track avance immédiatement de D3 cran. Donc c'est un 3, donc ça correspond à 1, 2, c'est 1. Et 3, 4, c'est 2. Donc il avance de 2 crans. 2 crans qui vont permettre au loup-garou de se renforcer encore de 2 points de vie. Donc il passe de 18 à 20. Là, ça devient de plus en plus tendu à ce niveau-là. Il ne gagne pas de points de combat pour l'instant. Il est à 6 en combat. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille le déloger de ses cachettes avant que ce ne soit trop tard. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Oui, les héros ont le choix de subir collectivement 5 blessures pour éviter la progression du Shadow Track, mais bon, on va pas le faire. 5 blessures, c'est beaucoup trop. Vu le nombre de. Enfin, la violence des combats depuis le début de la partie, on va éviter ça. Voilà, on n'a rien d'autre à faire dans le cadre de la coopérative charte, donc on passe déjà à ça. Et ce qui se passe, c'est que we mustn't linger, on ne pourra pas rester sur place. Maintenant, when rolling for lingering. Donc maintenant, quand on lance un dé pour rester sur place, pour camper, eh bien, héros est attaqué sur un 1-2 et non pas sur un 2. Et non pas sur un résultat de 1. Donc ça se complique encore pour faire des lingering. Décidément, on a bien fait de faire des choix, non seulement sur les lair cards, non seulement sur les explorations, en début de tour. En début de partie, là, ça, on voit que ça devient compliqué. Voilà, bah écoutez, ce cinquième tour prend fin. Donc je vous retrouve bientôt pour la suite de notre partie. Portez-vous bien en attendant. Salut !